arrête, la chef, la chef, la chef. Il dit, c'est la chef. Salut, c'est la chef ici, c'est la chef. Non, c'est le chef. Je suis pas la chef, moi. Alors, aujourd'hui... t'es content, il est content de toi, parce qu'on va jouer à des jeux rétro. Oui. Et oui. Parce que, comme on le disait, c'est un petit peu une période creuse en ce moment. Oui. Il y a quand même pas mal de petites nouveautés. Période de vache maigre. Voilà. Elle est très maigre, la vache. Elle est maigre, elle n'a plus rien à bouffer. Sauf qu'on a quand même quelques petites nouveautés bien sympas, comme ce NES Remix. Alors, je vous explique rapidement pour ceux qui ne connaissent pas. NES Remix nous propose de rejouer à 16 jeux, il me semble que c'est ce qu'il y en a 16, de l'univers Nintendo, NES. Mais à l'ancienne, Carole. Donc à l'ancienne. Alors tu le vois, donc tu peux jouer donc à Donkey Kong Junior, du Donkey Kong, du Mario Bros, du Super Mario Bros. On a du The Legend of Zelda, tennis, baseball. On a 16 licences NES et on nous propose des mini défis. Et c'est ce qu'on va faire. Dans ces univers, donc là tu peux choisir. Alors qu'est-ce que je fais? Explique-moi un petit peu. Tu m'as dit qu'il y a des défis. Il y a des défis, par exemple des speedruns, enfin des petites conneries comme ça qui sont sympas. Alors, ça s'en est là. Va dans Super. T'as Excitebike. Ah, tu voulais que j'aille ailleurs, c'est ça? Tu pouvais faire Mario aussi, mais. Alors ça, j'ai l'impression que c'est le jeu qu'on a connu à l'ancienne, ça, non? Voilà, bah c'est du NES, hein, c'est l'univers NES. Donc. Mais il est pas remixé, c'est ça que je veux dire? Ah là, c'est pas remixé, là c'est vraiment des défis dans les univers qu'on connaît. Ah, dans ceux d'époque, sauf qu'il y a des petits. C'est des défis. Des chronomètres. Exactement, des speedruns, comme dans... Voilà, d'accord, ok. On va pouvoir faire un speedrun tout à l'heure dans Super Mario Bros, parce qu'en plus on le connaît par cœur, là il faut faire attention à la boue. Donc voilà, des petits défis dans les univers qu'on connaît, et on a également les remixes, donc c'est des univers donc, qu'on connaît toujours pareil, Donkey Kong, Mario, Zelda, etc. Mais qui ont été... Revisités. Par exemple, tu vas pouvoir jouer à Donkey Kong, mais dans le noir, sans voir où t'avances. C'est ça. Bah vas-y, montre-moi. Alors attends, dans le genre. Bah, et tu peux. Genre avec des difficultés. Ça dure quoi? Ça dure 30 secondes. Attends, je vais terminer. Donc ici. Ils augmentent un petit peu la difficulté, c'est remixé. Donc en fait, on se retrouve dans des mondes qu'on connaît, mais que finalement on connaît pas parce que ça a été légèrement modifié. Qu'on connaît, mais qu'on connaît pas. Ouais. Mais voilà. Donc moi, qu'on pensait connaître. Mais là, du coup, ça change un petit peu. Moi, je trouve ça vachement sympa, surtout pour ceux qui ont la nostalgie, comme nous deux, des jeux d'avant. Alors moi, j'étais pas NES à l'époque. Moi, j'étais Master System, si tu veux. Donc tu te raviseras sur ma nostalgie, s'il te plaît. Mais t'as quand même fait quelques jeux NES. Ah oui, non, mais j'ai fait les Castlevania à l'époque. Voilà. J'ai fait Mario à l'époque. Mario, t'as fait Zelda. Je l'ai fait celui-ci, Excitebike. Je l'ai fait. Moi, j'avais pas fait celui-ci. Voilà. J'avais fait à l'époque. C'était Track and Field, Super Off-Road. C'est pas si. Voilà, donc là, t'as les niveaux. Là, t'as les stages remix. Alors, faut gagner des étoiles pour débloquer les. Donc ça, c'est des jeux. Donc ça, c'est Mario, Super Mario Bros. Mario, tout est mélangé là, tous les univers. Et si en finissant un défi, je suis sûr que tu débloques les autres jeux, parce qu'on les a pas les autres jeux au-dessus. Il faut avoir les 3 étoiles pour débloquer les niveaux suivants. C'est un petit peu le concept, le principe de Mario. D'accord, alors attends. Voilà. Tu me parlais de noir et blanc, c'était peut-être là. Voilà, enfin, coup, noir pas et blanc. Pas noir et blanc, mais d'évoluer dans l'obscurité. Donc là, on se retrouve, vous le voyez, dans l'univers de Donkey Kong, mais on est dans le noir, alors que c'est pas habituel. Donc voilà, ils ont petit peu remixé les, si tu veux, les... C'est lent. En plus, je joue avec l'analogique. J'étais pas très réactif à l'époque, hein, Mario. Putain, j'avoue, c'est super lent. Oh là là, et on arrivait à jouer comme ça. Mais du coup, c'est ça qui est bien, parce que non seulement on retrouve les univers... Non. Mais en plus, tu retrouves la jouabilité d'avant, c'est-à-dire cette rigidité qu'on avait avant. Là, tu le sens vraiment. Et par exemple, je mets en diagonale pour sauter, je peux pas. Il faut vraiment que je mette en haut pour sauter. Là, c'est vraiment comme avant. De toute façon, c'est ça qui est bien. Tu te remets vraiment dans l'ambiance. Et tu vas voir quand tu vas jouer à Super Mario Bros. Tout à l'heure, tu vas voir que c'est beaucoup moins rigide. C'est déjà plus fluide de Super Mario. Ah bon, on a gagné quand même quelques années de. Il y a 3-4 ans de gameplay, hein. Parce qu'il est sorti en 80. T'as vu, il y a un singe en haut, je crois que c'est Donkey Kong. Non. Oui. Mais il y a de l'info comme dans Retro Game Test. Bah écoute, enfin j'ai quand même des pros du jeu vidéo. Donc moi ce singe, je sais que c'est Donkey Kong. Non. Bah c'est ce que tu m'avais écrit sur mon texte avant, non? Ah oui, c'est moi qui te fais les yeux. Oui, parce que c'est vrai que son sélecteur... Non, j'allais dire son sélecteur... Alors tu le vois, hein, plus vous allez vite, plus tu fais un temps... Allez, plus je gagnerai d'étoiles. Exactement. Oui, sur carolecatel.com. Et c'est comme ça que tu débloques. Et là aussi, tu peux ramasser des tampons qui ne servent strictement à rien. Comme c'est juste la collection. Super Mario collectionnite aiguë. Juste, voilà, si y en a certains d'entre vous qui sont un petit peu... qui ont l'âme d'un collectionneur. Alors je dois faire sympa. Quoi là? Ben là, tu fonces. Alors là, normalement, il court tout seul et tu dois juste sauter. C'est le monde des poissons volants. Oh, j'aime pas ces trucs là. Ces trucs trop approximatifs. Donc là, faut gérer l'intensité de tes sauts. Voilà, fais attention. Et je vais y arriver du premier coup, tu vas voir. Attends. Mais là, il court tout seul. Donc c'est assez sympa. C'est des petits. Enfin, des tout petits sauts. Ouais. Ah oui, attends, je vois. Ah oui. Ah, c'est.
Attention. Ah, putain. Et qu'est-ce qu'il y a? Oui, sur carolcapelle.com, effectivement, tu fais une petite allusion, c'est qu'il y en a qui disent que t'écris pas alors, tes... pas sur mon blog, sur Gameblog, sur les forums de Gameblog, jeuxvideo.com, où les gens sont très avisés. Oui. Mais ils disent que t'écris pas où? Ah ben non. Alors, il y en a certains qui disent que j'ai un agent qui m'écrit mes textes avant. Donc là, il y a un mec caché derrière qui me dit... Stéphane. Et bien joué. Il n'est pas évident, celui-ci. Et il y en a certains... Du premier coup, t'as vu, c'est comme si les gens ils vont croire que je me suis déjà entraîné. Hein, mais franchement, et c'est pas le cas du tout en plus, c'est vrai pour le coup. Et là, t'as gagné tes 3 étoiles. Donc là, j'ai débloqué quelque chose. Bah maintenant. Non, parce que je l'avais déjà fait, celui-ci. Ah, loser, le mec qui a cru que... Oui, donc les gens pensent que tu écris des... Nouveau record. Et certains disent que c'est Julien Chies, donc, qui écrit mes... C'est marrant. J'avais bien aimé ton article sur la petite culotte. Que je ne porte pas. Voilà. Donc là, si tu veux, on peut changer. Je te crois pas. On peut. Ah ouais, non. Allez, tout de suite là. Et là, d'un coup, tu vois 600 abonnés, les gens. Donc là, je sais pas ce que t'as fait. À la fin de l'émission, tu le fais quand même. Mais évidemment. Bon, bah voilà. Donc restez. Appelez tout le monde. Ameutez tout le monde. Donc là, tu vois, c'est un petit peu. Voilà. Là, j'aime pas ces stages-là. Donc là, c'est le junior là. Ouais. Donc là, est-ce qu'on peut, on va essayer peut-être de... Donc effectivement, c'est remixé d'habitude, les stages ne s'effacent pas comme ça. C'est-à-dire que tu... Oui, là, c'est vraiment remixé. C'est les univers qu'on connaît, mais légèrement modifiés. Voilà, c'est ça. Alors que les autres, ce sont vraiment les univers... on a respecté vraiment l'univers du jeu, mais on a mis des petits défis, comme des speedruns, par exemple, comme t'as dit. Et c'est en faisant ces niveaux remixés que tu débloques les vrais jeux. Ah bah tu débloques pas les vrais jeux, tu débloques le niveau suivant. Le niveau suivant qui t'offre un nouveau jeu, peut-être parce que tu me parlais de Zelda, donc j'imagine... Ah oui, bah là c'est... pour l'instant, moi j'ai joué quoi, une heure, c'est pas... je t'avouerai que j'y passerai pas la nuit, c'est assez sympa de se... Entre potes, et vite fait, non. Voilà, tu vois, quand t'es un peu nostalgique, tout ça, mais j'y passerai pas la nuit. Donc là pour l'instant, j'ai plein de... tu verras tout à l'heure, et je te dis, il y a 16 licences, il y a du Zelda, mais je suis un hardcore gamer, Carole. Mais il n'est pas évident celui-là, puis il y a une rigidité dans le gameplay. Ah non, mais c'est juste atroce. Fais gaffe là. Et lui, il va me défoncer. Lui. Et moi, ça me rappelle aussi un petit peu les jeux, ça me rappelle les Game & Watch. Game & Watch. Bah, il y est sur Game & Watch, ouais. Pas dans le même délire. Moi, j'avais le Mario Bomb, tu devais faire passer des bombes d'une plateforme à l'autre. Ah, c'est celui avec éclairage. Le rouge avec éclairage, avec le jeu. Il était super celui-là, faut que je me le rachète, mais écoute. C'est celui qui s'ouvre comme ça là, ouais, rouge. Ouais, ouais. Et qu'il a une petite bombe. Ouais, ouais, c'est ça. On est vraiment des hardcore. C'était trop bombe. On est trop bon. T'as dit c'était trop bombe? C'était trop bombe. Ah, j'ai dit ça? Oui, c'est juste pour dire ça. C'est le lapsus de Mélateur. J'ai dit ça. Alors, donc là, je t'ai une étoile là. Alors là, tu as. Ben là, regarde, bam! Oh, c'est exceptionnel! C'est on a un nouveau record et tout, super! Nouveau tampon! C'est un nouveau Tampax. Voilà. Alors là, on va pouvoir. Change, pars du remix, va carrément sur Super Mario Bros. Là, ici. Voilà. Et puis, on fait quoi? Fais le premier niveau, on remonte. Voilà, fais le stage 1, c'est un speedrun. Alors là c'est le tuto. T'as toujours un petit tuto au départ pour t'expliquer comment ça fonctionne. C'est pas bien compliqué. Donc là, voilà, c'est un speedrun. Appuie sur B pour... Alors moi, c'est bon, là. Tu restes appuyé sur B. Ah oui, pour aller plus vite. Pour sauter, voilà. Pour speeder et tu sautes avec A. Attention. Oui, B, A, B. Oui. O, baba, gauche, droite, B, A, B, A, star. Donc voilà, moi, je trouve ça super marrant. Parce que... Il faut que tu joues un petit peu, Carole, on se fait des défis, là. Allez, on se fait des défis. Alors, sur le speedrun. Allez, on va voir celui qui fait le meilleur temps. Ça peut être cool, fais gaffe. Donc, celui-là, c'est marrant, parce que c'est vraiment le Mario qu'on connaît. Et puis, voilà, quoi, c'est des petits défis de base, quoi, que tu peux te faire même quand t'as le jeu normal, quoi. Oui, et puis là, entre potes, en soirée, tu peux t'amuser. Donc là, ouais, c'est vraiment cool, parce que t'as plein de licences. C'est sympathique. Moi, je trouve ça vachement sympathique. En plus, il coûte pas très cher. Attends, Carole, je crois que j'ai payé 10,99€. 31,1€. Ok. Carole, tu as la pression. Carole, elle va perdre. Tu rigoles ou quoi? Ça va pas? Tu peux pas gagner face à moi, c'est pas possible. Allez, tu te concentres là, hein, t'as vu? Ah bah oui. Je te dérange pas, en fait. Non, ta gueule. Ah! Cette musique. Ah, exceptionnelle. Oh non! On a droit à deux chances. Mais non, trois, on a trois lives. Ah d'accord, ok. Ah, tu te la joues comme ça, tu te la joues dans les règles. Lui, il fait ses règles, lui. Alors, Carole, deux chances, hein. Bah non. Tu sais, le mec, il a gagné, donc après, il... Alors, attends, 31,01. Pas 0,1, mais point. Non! Oh là là! Oh, c'était beau. Oh là là! Oh là là! Oh là là, Carole Quintaine!
Et là, il y en a, ils vont dire, mais c'est pas elle qui joue, en fait. Il y a quelqu'un derrière. Il y a quelqu'un derrière. C'est qu'ils sont capables, ils sont ouf. C'est toujours ça, les malades. C'était à 76 tout à l'heure aussi. Alors, je sais pas s'il y a une corrélation. Ah, à 2, à 3 millième. Ouais, c'est déjà pas mal. Allez, sors de là. Allez, sors. De là. Mais en fait, c'est quoi mon texte là? Ah oui, il faut que je dise. Oui, que c'est un jeu vraiment super génial et que Mario est un personnage qui a été créé. Et là, on a joué avec Link. Miyamoto Link. Shigeru de son prénom. Non, c'est Shinji Mikami qui a fait ce jeu là. C'est plutôt Resident Evil. Ah, là, non, c'est Miyamoto qui a fait Resident Evil. Allez, vas-y. Non, mais je te croise. Je pense que tu peux en être persuadé. C'est pour ça que je... Avec tu toi, je me demande. Question, mais avec toi, je me demande. Des fois, tu me sors des trucs. Oh là, ça l'a pris. Allez, vas-y. Alors, qu'est-ce qu'on se fait? Toi, tu m'as dit que tu aimais bien Balloon Fight. Tiens. Oui, j'aimais bien Balloon Fight. Sachant que moi, c'est pas du tout. C'est, je trouve ça merdique, mais oui. Alors, il faut aller éclater les petits ballons. Voilà. Et t'en as. Bravo. Alors attends, bah là on peut pas faire trop de... Ah j'aime pas quand ça roule. Gambate. Tu vois voilà, c'est là ce qui... Et en fait le problème c'est que tu rentres dans l'écran. Et ça me... Non ça me rouge. Tu peux jouer directement là hein, si tes yeux... Enfin moi je suis... Je te disais je suis super myope donc... Non non moi je... En plus c'est... Ouais non c'est un... Bon tu me dis hein, ça fait un... Comme elle est pas HD la... La tablette ça fait un esprit un peu rétro gaming. Ouais voilà. Et toi, t'aimes bien ça? J'adore ça. Regardez, regardez. Voilà. Effectivement, j'ai profiter, dit... Profitez du fait qu'on joue à... Pour aller manger quelque chose, pour sortir. Pour aller... En fait, vous regardez l'émission, mais bon, regardez pas, en non, fait. Non, mais pour nous donner... pour mettre des commentaires en nous parlant des jeunesses qui vous ont le plus marqué. Parce que ça, c'est intéressant. Alors, quel sera celui qui m'a le plus marqué? Je réfléchis un peu. Je t'avais joué, je réfléchis. Voilà, et vous quel aussi, n'hésitez qui m'a pas le plus à marqué. Nous mettre des commentaires ce qui vous a, pour les joueurs NES, les jeux qui vous ont le plus marqué. Moi, honnêtement, c'est The Legend of Zelda, évidemment. Mais. Alors, si on est nostalgique ou alors on parle des jeux récents que, non, qu'on a découvert avec le temps. De notre nostalgie, de ce qu'on a connu à l'époque. Ce dont on se souvient, oui, oui, d'accord. Vraiment. Ah, bah, j'avais bien aimé Popeye, moi, à l'époque. Et Popeye, il doit y être peut-être, tiens. Non. Non. Mince. Il y a 16. Ah oui, parce qu'après licence, la licence, ils l'ont. Moi, je sais que par exemple, sur NES, j'avais adoré Wizard and Warrior, qui est pas trop connu, mais j'avais adoré. Ah, avec un chevalier et tout ça. Ah, ouais. Oui. Wizard and Warrior, et j'avais kiffé. Qu'est-ce que j'avais aimé? J'avais adoré. On l'a fait déjà ça tout à l'heure, Carole. Tu veux pas faire un autre, non? Ah, ben, non, mais regarde. Ah. Là, faut faire les deux. Tu voulais pas en faire un autre? J'aurais bien voulu un... Si tu veux, bah écoute, là je peux éventuellement, je sais même où je suis, hop. Regarde, je vais atteindre l'objectif et c'est terminé en bah voilà. 2 secondes. En fait, je sais, elle m'a vu faire tout à l'heure, elle s'est dit, mais moi aussi je peux le faire. Je veux le faire. Je peux alors... le faire. Ah par contre, j'avais pas continué ça. Bah, si tu continues, il y a d'autres. Ah bah alors vas-y. Plein de petits défis, c'est ça qui est marrant. Donc là, l'idée c'est que tu ailles récupérer le... Exactement, l'écrou. Ah parce que c'est un écrou. Là, vraiment, à l'époque, fallait vraiment qu'on te dise que c'était un écrou pour que tu aies... Moi, pour moi, c'était un gâteau, tu vois. Un gâteau bah, je sais pas, y a pourquoi un gâteau, il serait incrusté dans le sol? Bah oui, mais je sais pas, mais non, l'aspect... Ah, là, j'allais dire, attends, j'ai les 3 étoiles pour de bon, tiens. Donc là, t'as les 3 étoiles pour ah, de bon. Ah bah oui. Donc là, t'as gagné, là, on va dire. Ouais, c'est, on passe à autre chose. On a gagné un stage, j'avais dire, là. Non, là, regarde, il faut qu'on avance un peu plus, faut qu'on dépasse à chaque fois les... D'accord. Tu vois, il alors... y en a plein encore à débloquer. Et va dans le remix et descends. Tu vois, descends. On a un milliard de jeux à débloquer. Il y en a énormément. Effectivement. Donc ça c'est vraiment cool. C'est vraiment, ça explore toute la vraiment tout le un panel. Alors, assez... Alors qu'est-ce que je peux mettre là? Une palette assez large de jeunesse quoi. Donc c'est. Celui-là je l'ai. En 2 mois. Ah mince, je suis sorti. C'était pas ouais. C'est pas ça. Start to enjoy. Non c'est le plus. Non c'était bon apparemment c'est passé. Alors attends, tu veux lequel, Carole? Dis-moi. J'exauce tous tes vœux. C'est pas vrai. Eh ben va sur Mario Bros. Pas Super Mario. Ah ben c'est ce que j'allais faire, mais en voilà, mode remix. Ça c'est plus comme ça, on est dans l'univers. Ouais, mais c'est bien parce que justement tu peux choisir d'être dans un univers qui est resté intact et de relever des petits défis. Mais là c'est juste horrible. Le gameplay il est horrible. Mais attends, j'arrive pas à jouer là. Bah ouais, mais t'es pas... Non mais attends, mais ça... Pas doué, quoi. C'est cette espèce de latence voulue qui... Faut éliminer juste un ennemi. Mais attends, mais joue, c'est injouable. Non mais c'est clair que c'est la merde. Ah, c'est juste injouable. Essayez chez vous, là, vous allez vous dire, non mais c'est pas possible, ils savent pas jouer, mais c'est injouable. Oh non, attends. Putain, la dégaine qu'il a, Mario, là. Et tu sais que là, ça a changé, parce qu'après, c'est sa salopette qui est devenue rouge. Au début, il était comme ça. Il était tout comme ça. Bah, regarde bien, là, la salopette est bleue.
Donc il est passé de la salopette bleue. Je suis un peu daltonienne. Hein. Ah oui, d'accord. Donc il est passé de la salopette bleue à rouge. Non, attends. Et vice versa. Non, tu vois pas? Regarde. Ah non, j'ai une bêtise. Ouais. Ah, c'était déjà changé. Ah, c'était avant que le mec qui veut se raconter. Le mec qui veut faire un cours d'histoire et qui prend, regarde, tu vois. Mais en fin de compte, non, il était déjà comme ça. Bah non. C'était le contraire. Oh là là, le mec, il est zéro. Non, je sais pas. Alors attends. Et je suis sûr que toi, tu disais, non, en fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Mais ouais, mais je sais pas. Parce qu'au moment donné, les gens nous regardent, tu vois, on est censé quand même. Genre, je suis daltonienne. Ouais, je suis un peu daltonienne. Elle essayait de me. Tu vas dire. Tu mets sur la voix, tu dis, t'es en train de dire de la merde, quoi. Mais... Et il y en a un, ils disaient, mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, c'est le contraire, en fait. C'est bien avant alors qu'il a changé de couleur. Ah bah attends, mais alors c'est dans l'autre. Mais non! Ça veut dire que c'est dans celui avec les tonneaux. Je devais juste tuer un ennemi, hein, j'ai mis 30 ans. Hein. Alors attends. Non mais arrête. et même moi, quand tu me parlais, j'ai mais j'ai manqué un épisode là. Non mais regarde, alors tu peux sortir. Il me semble qu'il était toujours comme ça, Mario. Non, regarde. Attends. Non, je te jure. Je te jure, Carole. Regarde. Quand on rentre là-dedans. Mm. Attends. Il peut avoir une salopette blanche, tu sais, quand c'est super marine inversible. Mais normalement, il a une salopette bleue, bah là, et c'est le contraire. Là, c'est le contraire. Non? Ah oui, bah c'est là, alors oui, c'est ça. Donc c'est ça, le contraire. Voilà, mais c'est pas Mario, c'est Donkey Kong. Donc c'est pas le même jeu, mais oui. Mais c'est Mario. Voilà, je vois ce que tu veux dire. Et il s'appelle... Il s'appelle Mario quand même. Bah au début, il s'appelait pas Mario. Non. Au début, c'était le concept de... Tu sais qu'au départ, Donkey Kong, c'était Popeye. Oui voilà. Allez, tiens. Mais dans Mario, il a toujours eu la salopette bleue. Pardon. Bon, on peut changer de stage là. De ouais, allez, on se casse. Hop. Alors, hop. Qu'est-ce que tu veux te faire? Parce que là, je pense qu'on arrive tout doucement. Oh, remarque, non, on a du temps. Non, remarque, t'es... Oh, oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On va dans le remix. Bah, allez, on fait celui-là, comme ça, on essaie de débloquer le stage d'après. Mission, débloquer le jeu d'après. Allez. On n'aura pas le temps, je pense. On va voir. Ah, c'est celui-là. Oh, non, mais il faut faire ce stage-là. Enfin, c'est relou. Il est difficile. Hein. Ouais, il est chaud, celui-là. Mais pour le coup, il est difficile, mais il y a un vrai plaisir de gameplay, tu vois. Bah oui, bah y a un challenge. Il y a un vrai challenge. Putain. Et honnêtement, il n'y a pas longtemps, je me suis refait quoi? Je me suis refait Echo et on s'est refait quoi que shot ensemble. Ah, à mon tour. Et quand tu rejoues à des jeux comme ça, tu dis, mais comment j'ai fait pour les finir, les jeux? C'est pas possible. Mais quoi que shot, c'est vrai que... Hyper dur. Quoi que shot, il est chaud. Ah, il est chaud. Plus difficile que Castle of Illusion, hein. Quoi de chat, tu trouves toi? Ah oui. Parce qu'il est beaucoup plus long, il y a plus de. Ben, c'est vrai qu'il faut repartir aventure, derrière, faire voilà. Les niveaux à l'envers. Enfin, faut aller chercher les clés dans tel monde pour ouvrir exactement. La porte dans. Ouais. Ah. On risque pas de le finir. Je crois que là, on risque de. J'ai quand même une sérieuse incapacité à jouer en parlant. Ah oui, t'as du mal toi. Ouais, j'ai un peu de mal, j'avoue. Alors, mais je vais y arriver. Moi, je vais y arriver. Allez, concentration. Ah. Oh, tu vas voir, tu vas voir. Moi je vais y arriver. Regarde ça, voilà, Carole. Mais regarde-moi ça, cet hardcore gamer. Mais pour le coup, je l'ai fini tout à l'heure, ce passage. Donc pourquoi il... Mais parce que tu. Juste j'ai envie de dire pourquoi. Essaye de le faire plus vite. Vas-y, attention. Vas-y, monte. Non mais attends, mais là. Gaffe, mon pote. Attention. C'est vraiment un bâtard Mario là. Hein. Attends. Oh non! Ah non! Oh mon Carole. Dieu, mon Dieu! Non mais Carole, tu as douté de moi quand même? Non. Aucun moment. En même temps, quand tu me dis. Et tu vois, Carole, Mario, dans Mario, il avait pas la. Le mec, le loser. Attends. Mais t'inquiète pas, on a compris là. On avait compris ce. Tu parlais de Donkey Kong. Voilà, exactement. Alors. Ok. Donc là, il faut le refaire encore pour redébloquer. Faut gagner les 3 étoiles. Donc faut que je le refasse encore là. Ouais, vas-y, allez. Allez, putain, on va pas se laisser tant. Mais c'est pour ça que ça peut devenir addictif et tu peux passer du temps dessus. Mais après, je t'avouerai que moi, je mets une soirée entre potes, oui, voilà. Entre nous ou pour un selector player. C'est marrant. Alors, tu vois, j'ai voulu faire un espèce de saut et revenir en arrière. Mais tu vois, c'est... non, je continue à le faire. Hein, je... j'ai bien aimé. Tu vois, c'est le mec, il explique pourquoi il était mauvais. Alors, je t'explique, j'ai voulu faire ça, mais. Je l'ai pas fait. Voilà. Non, mais tu vois, j'ai voulu faire un saut en avant et revenir, ouais. Tu vois. Non. Voilà, tu vois, j'ai voulu faire. Mais sauter et revenir. Gaffe. Oh non, mais attends, mais franchement. Mais essaie d'aller plus vite, du coup. La même, elle non, donne... mais essaie de battre ton record. Non, quoi, mais la même, sinon, elle donne des missions. Non, mais essaye de jouer alors que. Juste, tu es pas arrivé tout à l'heure, quoi. C'est vrai. La saloperie. Attends.
Oh, non, non, non. On est trop vieux. Non mais attends, alors là. Oh là 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 là. Tu es quand même bonne, tu es de bonne composition, il faut de bonne compagnie. Alors attends, maintenant, est-ce que là pour le coup on a suffisamment de points? Parce que plus je vais vite, j'imagine, plus j'engrange de points. Bah c'est ça, non, on a que deux étoiles. Bah alors, ah non, voilà, c'est comme ah ça. Bah oui, tu bats des records, donc tu... Non, c'est juste pour les tampons. Voilà, mais il faut, nous, pour débloquer le niveau d'après, bah, faut avoir des étoiles, mon pote. Oh, attends, on va sortir, parce que sinon, on va passer notre vie sur ce jeu-là. End. Ok. Allez, on fait un dernier et on se laisse sur ça, allez. Qu'est-ce qu'on se fait, Mario? On retourne sur Super Mario Bros, allez, Super Mario Bros. Moi, j'ai le super. Le super, voilà. Ok. Et, non. Mince, pardon. C'est pas de faire non, quoi. C'est... Non, mais. Non. Alors d'accord. Je fais quoi? Bah, tu sors. C'est non, tu. Voilà, end. Et je reviens. Donc, descends, voilà, fais celui-ci. Alors, on va essayer de se le débloquer, celui-là. Allez, faut ramasser toutes les pièces dans le temps de partie. Là. Ça, c'est des défauts des défis qui me plaisent bien. Ah, ok, d'accord. Non, mais ouais, c'est okay. Des petits défis, mais dans les. Voilà, c'est ce que je disais, tu vois, on est dans les mondes normaux. Ok. Je sens qu'on on peut débloquer le prochain stage au moins, on peut faire ça au moins. Oh, on peut le faire. On peut le faire. Ah oui, il y a un temps imparti en plus. Écoute pas. Non mais, ceci, mais... Non parce que je l'entendais bien là. Ramasser toutes les pièces dans le temps imparti. Il y a un temps imparti, d'accord. Tu sais, mon cerveau, il analyse en deux temps en fait. Ah oh, mais c'est mortel. Oh. Ah c'est mortel, ton cerveau, il analyse en deux temps. Tu vois. Ah donc là, c'est bon. Normalement, c'est bon. Donc là, on a un stage en plus. On va voir. Et ben yes. Voilà. Stage allez. 6 du remix. On va voir. On le fait. Voilà, on va voir ce que ça vaut et puis on. On a t'as vu, on a un bonus première fois. C'est la toute première tampon. Fois. C'est qui, c'est Peach? Oui. Ah ouais. C'est en mode rétro quoi. Ah ouais, en mode. Fais voir le stage 6, c'est quoi? Ah c'est du ballon. Ah, on dirait du ballon. Ah non. Attends, fais voir. Attends, on revient. Ok, fais voir. C'est quoi? C'est attends, je comprends pas. Attends, on va voir. Tiens, attends, ça a débloqué avec ça. Ouais, ça. Ah oui, ça débloque pas forcément dans le. Ah, d'accord. Voilà. D'accord, ça nous a débloqué un. Un ballon fight. Voilà. Mais remixé. Ah mais je vous assure, jouez-y parce que là, il y a une. Non mais attends, c'est un truc de malade. C'est. Non mais c'est d'un autre temps. C'est ouais, d'un c'est autre de... oui, temps. C'est d'un autre temps, ouais. Oh là là, et on jouait, on adorait ça à l'époque, hein. Moi, celui-là, je l'avais pas fait. Mais ce genre de gameplay, quoi, tu vois. Ah, bah oui, même je me souviens, moi, ça me rappelle, voilà, je te dis, tous les gameplays à la track and field et tout. Tu sais même pas comment se tuer les pouces. Ah, bah oui, c'est un peu comme du California Game, faut appuyer comme un malade. Pour se défoncer les pouces sur le lancer de poids, il me semble. Ouais. C'était le pire. Ou alors la course. Moi, je sais que dans California Game, fallait appuyer comme un malade, fallait faire des. Crève, d'accord. Et il reprend son ballon après le petit, là. C'est quoi cette histoire? Tu peux m'expliquer? Je sais pas trop. Ah, bon, je pense qu'on en a vu suffisamment. Je pense qu'on en a suffisamment vu. On se quittera sur ton gameplay qui est juste extraordinaire, bah, Carole. Écoute, bah, merci. Tu commences l'année brillamment. Bah, t'as vu, je suis quand même pas mal. Hein. Voilà, en tout cas, bah, j'espère que ça vous a qu'est-ce plu. Qu'est-ce qu'on fait la prochaine pas, émission? N'hésitez pas surtout à nous parler de vos jeunesses préférées. Nous, ça nous intéresse, on aime bien parce qu'on on va en faire quelques-uns. Et notamment, la prochaine fois, voilà. T'as vu ce rebondissement? Notamment Super Mario Bros 3 qui vient de ressortir sur Wii U, si vous avez un petit peu suivi dans le dernier Nintendo Direct. Et ça, c'est vraiment un bon souvenir parce que Super Mario Bros 3, il était quand même très très bon. Donc voilà, rendez-vous bientôt avec Mario pour la prochaine Selecture Player. Ça marche. Ciao. Bisous, ciao.